Alors, merci Karim, merci au professeur Lavenu. Nous disposons d'environ 15 minutes pour une période de questions. Je suis sûr que la liquéfaction de la souveraineté à laquelle Karim vient de se livrer, que la fonctionnalisation de la souveraineté dont a parlé le professeur Lavenu, ont provoqué des interrogations. Et on va commencer par ici. Merci. Par rapport à la privatisation progressive des normes, de la virtualisation, à laquelle participe ICANN, à laquelle participe aussi d'une certaine façon l'Internet Governance Forum, je partage tout à fait votre point de vue qu'il faut peut-être revenir en arrière et revenir à une régulation interétatique par le droit international. Mais là où je ne suis pas juriste, je suis politologue, là où j'ai du mal à comprendre pourquoi une nouvelle structure, alors qu'il existe une structure universelle dans le cadre des Nations Unies, c'est l'Union internationale des télécommunications à Genève. Pourquoi pas utiliser simplement cette organisation-là pour avancer le projet que vous utilisez, que vous proposez? Je vois l'ensemble des problèmes au niveau global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le problème strictement technique des télécommunications, hein. Il y a le problème général de la protection des données, la protection des personnes, la protection des libertés, etc. Donc ça mérite, hein. Le phénomène a été expliqué comme étant particulièrement important et se développant ou risquant de se développer dans des proportions considérables. Je pense que ça mérite un organe général, à vocation générale et à vocation universelle. Bon, ceci dit, ça peut être une solution technique parmi d'autres. J'ai évoqué dans mon intervention les possibilités multiples, conventionnelles, structurelles, etc. On peut très bien imaginer, dans le cadre d'étapes, hein, ou de développement, commencer en passant par une organisation. On a parlé de l'OMC, on a parlé de. Merci beaucoup. L'autre question s'adresse au professeur Karim Benyekhlef. En tant que politologue, j'ai beaucoup apprécié votre intervention puisque je vois en tant que juriste, vous mettez un peu en cause, vous relativisez cette fiction de la souveraineté absolue en mettant l'accent sur une souveraineté relative. Comme notion contingente, relative, déclin et érosion de la souveraineté, dilution de la souveraineté dans l'Empire. Je voudrais me faire un peu l'avocat du diable. Je partage tout à fait votre point de vue que le capitalisme postmoderne s'infiltre à travers les interstices de l'espace interétatique, mais je crois aussi que finalement le capitalisme postmoderne a besoin de l'État souverain, d'une certaine façon, et qu'il ne peut pas se diluer dans une sorte d'empire multiforme, multiprotéine, etc. Parce que certaines sphères de souveraineté, certaines sphères fonctionnelles de la souveraineté sont renforcées de nos jours. Il n'y a pas érosion, il n'y a pas déclin. Par exemple, trois exemples. La part des dépenses publiques, la part des dépenses de l'État dans l'économie ne cesse d'augmenter. Environ 30 à 40% sur les États du PIB sont engendrés par l'État et cette tendance va vers une augmentation. Deuxième exemple, l'immigration. C'est hautement territorialisé. On construit des murs entre San Diego et Tijuana, on construira un mur, on construit un mur ailleurs. L'État souhaite renforcer un peu partout dans le monde occidental, du moins, même en Afrique subsaharienne, souhaite renforcer sa souveraineté, son contrôle sur les mouvements de population pour les raisons économiques liées au développement du capitalisme postmoderne. Troisième exemple, la souveraineté monétaire. Depuis 1973, les banques centrales sont réellement souveraines. S'il y a un organe de l'État qui est réellement souverain depuis 1973, depuis la fin du système de Bretton Woods, ce sont les banques centrales. Donc je me demande, premièrement, s'il ne faut pas différencier le constat que vous avez effectué à juste titre, selon les différentes sphères sectorielles et fonctionnelles de la souveraineté, il y a des domaines, des sphères où la souveraineté est en déclin, est érodée, alors que dans d'autres, ça se renforce précisément en fonction des besoins essentiellement économiques. Sinon,
Comment expliquer que de plus en plus de collectivités aspirent à la souveraineté formelle? Le Kosovo, la Palestine, etc. Récemment, le Monténégro a fait sécession. Etc. Pourquoi tant de collectivités n'aspirent qu'à une seule chose, à savoir détenir la souveraineté nationale? Alors oui, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le marché a besoin de l'État pour fonctionner. Emmanuel Wallerstein, avec son concept de World Economy, avait bien démontré que, effectivement, l'État était une nécessité. Alors, l'État étant une nécessité, on a vu qu'il a justement émergé au Moyen-Âge central, peut-être par la force des marchands notamment, mais je crois qu'aujourd'hui, même si cette souveraineté serait virtuelle, ou enfin, que l'État demeure encore un joueur très, très important. Il le demeurera tant et aussi longtemps qu'il conservera ce monopole aussi sur le droit international, puisqu'il est le seul sujet du droit international. Et c'est pour ça que je me demande dans quelle mesure aussi également le droit international est en mesure véritablement de réguler tous ces grands rapports, puisque les acteurs privés prennent de plus en plus d'importance et créent leur normativité à côté, de manière qui juxtaposent leur normativité à côté de celle de l'État. Mais son rôle en matière économique demeure primordial. On ne peut pas faire des affaires sans l'État. Oui, donc c'est une petite question pour le professeur Lavenu. Bon, moi je partage entièrement vos finalités d'abord, mais j'ai quelques interrogations par rapport aux moyens que vous proposez pour y arriver. Parce que cet organisme qui aurait vocation à réguler le cyberespace, cet organisme international, serait composé par des représentants d'États. Bon, et parmi ces États, il y aurait, par exemple, la Chine, l'Iran, la Russie, l'Arabie Saoudite, etc. Bon. Et je ne suis pas certain, ou la Birmanie, vous voyez ce que je veux dire. Et je ne suis pas certain qu'ils auraient les mêmes interprétations de qu'est-ce que c'est qu'une activité pacifique que nous, et vice-versa, si j'ose dire. Et quant à la liberté d'expression, là aussi, il y aurait des gros, gros, gros problèmes. Donc, bon, ça c'est la première. J'ai pas de réponse à la question, mais simplement, je vous la pose puisque vous. Et puis, deuxièmement, vous dites que la réglementation concernant les fonds marins, l'Antarctique, l'espace donne un bon exemple. Mais ce sont précisément des zones où il n'y a quand même pas grand monde. Or, dans le cyberespace, il y a une foule considérable et bientôt il va y avoir tout le monde. Donc, est-ce que c'est vraiment des bons exemples? Voilà. Il n'y a peut-être pas grand monde dans ce monde, mais c'est proche. Il n'y a pas grand monde, mais il y a du pétrole. Donc, ce qui peut intéresser certains États et certains États plus dominateurs que d'autres. On a les phénomènes auxquels on assiste en ce moment, cette fois non pas dans l'Antarctique, mais dans l'Arctique, où on voit les États se précipiter pour mettre des drapeaux à 3000 ou 4000 mètres de fond, montrent ce genre d'intérêt. Il me paraît préférable à ce niveau-là qu'il y ait une impossibilité d'appropriation de cette zone, enfin, pour l'Antarctique comme du cyberespace, hein, et que ça reste au bénéfice de tout le monde. Quand je prenais l'exemple de l'autorité des fonds marins, hein, l'autorité des fonds marins a une entreprise qui est chargée d'exploiter éventuellement pour le compte de l'humanité tout entière. Donc on peut imaginer qu'il y ait une gestion du web dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Bon. Maintenant, quand il y a des vilains partout, hein, on a la même chose à l'ONU. Alors là, c'est un problème d'accord, oui, mais ça, c'est un problème d'accord de traité de ce que l'on voudra. C'est un problème de répartition des pouvoirs. Bon, l'important étant peut-être
d'éviter qu'on ait une structure de type directorial avec des droits de veto, par exemple. Bon. À ce moment-là, si on applique la règle du droit de vote à la majorité, ou même à la majorité qualifiée, hein, on peut imaginer que l'on ait des votes et des résultats. Mais ça, bon, je ne peux pas donner des réponses dans le registre IACA. Tout ce qui me paraît gestion à caractère collectif, je n'arrête pas de citer Georges Zell parce que j'y crois. Mais pourquoi la solidarité que l'on observe au niveau des États, au niveau de la souveraineté d'un État, s'arrêterait-elle aux frontières de l'État ? On a des solidarités qui existent au niveau régional. On a l'exemple européen. Est-ce qu'il y a un exemple plus fonctionnel que l'Union européenne ? Pourquoi on s'arrêterait à l'Union européenne ? Pourquoi n'aurait-on pas une solidarité au niveau universel ? On parle de patrimoine commun de l'humanité. L'humanité est un sujet de droit. Bon. Pourquoi, brusquement, quand on parle d'Internet, hein, on dit non, Internet, ça peut servir à tout le monde, mais nous sommes tous égaux, mais plutôt, il y en a qui sont un peu plus égaux que les autres. Y a-t-il une... La seule chose que je dis, c'est qu'il n'y a pas à ce niveau-là d'impossibilité technique. Il n'y a pas d'impossibilité juridique. Alors qu'on nous fasse jouer les violons en disant réunissons-nous à Tunis, à Genève, à Honolulu ou ailleurs, et puis on lâche une miette aux délégués qui repartent comme à Tunis sans honte, hein, de l'avoir fait d'abord à Tunis, il faut quand même être complet. Deuxièmement, ça montre le cynisme. Deuxièmement, ne pas résoudre le problème de l'ICANN, de renvoyer tout le monde à Athènes avec des broutilles et des fariboles, hein, où effectivement on occupe les gens. On va occuper les gens, on fait des réglementations, on fait des tas de choses, mais on pose, ce que je dis toujours, le principe de la liberté des poules et du renard dans le poulailler. Et en attendant, l'ICANN est toujours en Californie. Monsieur. Bien, je voudrais tout d'abord repartir d'une réflexion qui a été faite tout à l'heure par un intervenant sur le pourquoi pas l'UIT. Pourquoi pas l'UIT et pourquoi l'ICANN ? Simplement, il faut savoir que l'UIT avait souhaité pouvoir prendre la réglementation de l'adressage sur Internet. Et si l'ICANN a gagné, l'ICANN à l'époque c'était Liana, si Liana a gagné, c'est simplement parce qu'elle avait les États-Unis derrière elle. Et je crois que l'autorégulation est un concept qui a été inventé par les États-Unis pour pouvoir asseoir ce que Karim a appelé l'empire. Parce que je crois que l'empire, ce n'est certainement pas un empire interétatique, c'est pour le moment certainement un empire qui est très étatique et... derrière cet empire, il y a les États-Unis. Mais je voudrais maintenant revenir sur des réflexions qui ont été faites. Jean-Jacques, tu affirmes, ben oui, puisque la technologie, elle est neutre et elle est globale, on a besoin d'un régulateur, qui est un régulateur qui doit être un régulateur unique. Suite à l'affaire Yahoo, il y a eu des réflexions extrêmement intéressantes qui ont été faites, en particulier par Joël Heidenberg, qui disait, mais en fait, l'infrastructure n'est pas neutre. Et l'infrastructure, elle permet aussi bien la renaissance des nationalismes et éventuellement des souverainetés étatiques que, bien évidemment, la souveraineté interétatique auquel tu rêves. Il suffisait, c'est une erreur du juge français Gomez, de dire plutôt que je vais réguler ce qui se passe à Washington ou plutôt à San Diego, chez Yahoo, il suffisait de dire ben, je bloque simplement au niveau français l'accès par les fournisseurs d'accès français aux contenus qui sont les contenus. Et c'est ce que la Chine fait, et on sait très bien que demain l'Iran fera la même chose, et donc progressivement l'Internet ne sera plus cette ressource publique mondiale, ce sera de plus en plus, me semble-t-il, des souverainetés étatiques qui vont s'exprimer. Je vais revenir là-dessus. Le deuxième point, et je partage tout à fait la réflexion de M. Lévy, c'est vrai qu'on a une réglementation interétatique et internationale d'un certain nombre de choses. L'espace, hein, tout ce qui est l'espace, d'autre part les fonds marins, etc. Mais de nouveau, c'est assez intéressant, c'est toujours lié à un territoire et une activité déterminée.
Or, c'est peut-être ça justement qui change avec Internet, c'est qu'Internet n'est pas un espace à part. Internet, c'est l'expression de tous et chacun, des expressions d'activité économique, mais aussi de personnes, et c'est des expressions qui sont des expressions profondément ancrées dans des cultures, dans éventuellement des stratégies qui sont des stratégies communautaires, des stratégies collectives qui se situent bien évidemment quelque part à l'intérieur. Et cette rencontre de stratégie, elle est véritablement gouvernée à la fois par des problèmes de droit de propriété intellectuelle, par des questions de protection de la vie privée, par des questions de commerce électronique, etc. Elle est, à la limite, le cyberespace ne souffre pas d'absence de droit, il souffre véritablement d'une multiplication de droits applicables et de droits d'origine extrêmement différents. Et j'en arrive justement alors à la réflexion. C'est vraiment étonnant quand vous partez comme si, bon, voilà, il y a un outil, et cet outil, il faut véritablement le réglementer. Et l'un et l'autre, et on peut parler d'empire qui, à travers cet outil, va réglementer l'ensemble des activités, un empire qui est d'abord dominé par une logique capitaliste, ou éventuellement par un organe interétatique, une espèce d'organe supranational de type ONU, qui éventuellement fixerait les règles. Or, je crois que la réalité d'Internet, jusqu'à présent, on est dominé par le mythe occidental, par le fait que l'Occident est omniprésent sur cet Internet. Je crois que demain, ça ne sera plus le cas. Et de plus en plus, on voit se multiplier les clashs qui n'ont plus rien d'économique, qui sont culturels, qui viennent du fait que simplement la sensibilité d'un Iranien regardant des sites peut être évidemment blessée, et je peux les comprendre, par un certain nombre de choses qui sont véhiculées chez nous. Et à l'inverse, nous sommes évidemment choqués par un certain nombre d'images qui peuvent venir ou éventuellement de prises de parole. Or, ce choc des cultures, me semble-t-il, il passe d'abord par, me semble-t-il, la reconnaissance de la diversité et des souverainetés et des souverainetés nationales. Je crois que c'est un point extrêmement important. Je crois qu'on arrivera sur Internet à quelque chose où il y aura un respect mutuel, que dans la mesure où, effectivement, on prend la peine, me semble-t-il, de commencer par regarder l'autre et de pouvoir l'écouter. Donc, voilà, c'est simplement ce que je souhaite. D'accord. Quand je parle d'harmonisation des notions d'ordre public selon les États, parce qu'effectivement, la conception que l'on a de l'ordre public n'est pas la même en Iran qu'en Irlande, donc ça, c'est vrai. Et c'est exactement ce que je dis aussi quand je dis que l'un des premiers constats que je fais au départ dans mon exposé, c'est que les souverainetés sont inégales sur Internet. Et que le problème, c'est justement d'éviter que ces souverainetés soient inégales au profit de tel ou tel autre. Bon, en faisant une caricature, je serais tenté de dire qu'il vaut mieux créer l'ONU avant la guerre qu'après. Alors, nous avons encore quelques questions. Je vous demanderai d'être relativement bref pour Vincent, et ensuite on fera redescendre le micro. Je vais me limiter à un constat plus qu'à une question, mais ce qui me fascinait, je reprends le même verbe que le professeur Poulet, ce qui me fascinait dans cette présentation, c'est la différence de culture quant aux solutions juridiques pour régler un problème qui est le même. Et le point de vue du professeur Lavenu est un point de vue éminemment français, qui est, à mon avis, une vision excessivement classique de casser des barrières ou des principes juridiques ou le territoire, avec une approche, celle d'instance supranationale, qui nous apparaît, en tout cas, me semble-t-il, on parle des États-Unis, mais au Canada et au CRDP, je suis un produit du CRDP, on fait partie de cette tangence-là, où on considère autrement, en fait, ces solutions pour régler la nationale. En tout cas, ça m'apparaît une approche qui est totalement étrangère, du point de vue d'avoir une instance qui serait, à mon avis, soit fantoche, soit un machin à la De Gaulle, un peu, qui ne réglerait rien. Et à mon avis, c'est beaucoup plus une opposition entre États-Unis et reste du monde. C'est une approche peut-être plus civiliste ou droit codé et common law. Et à cet égard-là, en dépit de notre mixité, on est beaucoup plus dans la seconde équipe, si je puis dire. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas s'entendre sur les solutions à régler les problèmes. Juste, je ne sais pas si je suis du côté obscur de la force par rapport à l'Empire. Peut-être, après tout.
Mais au moins une précision, sur un aspect technique. Je ne prétends pas briser les territoires. Pour moi, ils sont les frontières. Elles sont brisées. Et c'est précisément parce qu'ils sont de fait brisés qu'il est important de trouver des solutions. C'est ça la chose. C'est quand même extrêmement différent. Et ce que je veux dire, je ne l'ai pas dit dans l'exposé, mais je crois que je l'ai dit dans la version écrite, c'est que les approches traditionnelles de la souveraineté sur son territoire, etc., il y a déjà des tas de domaines où ça n'existe plus. Par exemple, en matière de lutte contre la pollution, la Convention de Bruxelles de 1969 sur l'intervention en haute mer dit que quand un État se voit menacé au-delà de son territoire, il peut agir, détruire. Il peut ne pas tenir compte de la loi sacro-sainte du pavillon, de la souveraineté de l'État qui, pendant des siècles, a fonctionné. Donc je ne prône pas une destruction, je constate un phénomène. Alors, évidemment, comme vous avez remarqué avec une certaine justesse, je ne suis pas un fanatique des approches anglo-saxonnes, disons, de la question. Bon. Mais je ne sais pas si je suis du mauvais côté ou du bon. Mais ça mérite au moins de permettre des colloques et d'en discuter. Merci. Alors, on va faire redescendre le micro. Il y a madame ici, je crois qu'il y avait monsieur là-bas, et voilà, donc. J'ai l'impression qu'on en revient toujours un petit peu à Kant versus Herder dans ces débats. Oui. Oui, merci. J'avais une petite question, étant donné qu'on parle de nouvelles approches de souveraineté, de sortir de la conception classique de la souveraineté, je me demande si en parallèle on ne doit pas aussi avoir une nouvelle approche de la notion de sujet de droit. Je pense qu'on ne peut pas sortir de la notion traditionnelle de souveraineté sans sortir également de la notion traditionnelle de sujet de droit. C'est une question que j'adresse à M. Lavenu principalement, qui dit que le destinataire final de la norme juridique doit toujours être l'individu. Cette affirmation me pose deux questions, qui sont des questions qui peuvent paraître un peu périphériques par rapport à votre exposé, je m'en excuse. Ce sont deux questions un peu techniques. Qu'en est-il de la responsabilité sociale et éventuellement juridique des entreprises, étant donné que les entreprises qui sont actifs dans le domaine notamment de l'Internet ont en fait un pouvoir d'action, sont de véritables agents. Est-ce qu'on ne devrait pas les considérer également comme des sujets de droit, et est-ce que la norme juridique ne devrait pas s'adresser à eux directement? Autre question, la question est un peu comment concilier cet impératif, donc que la norme juridique doit s'adresser au sujet ou à l'individu, avec le processus de distribution croissante de l'intentionnalité. Par exemple, je pense à ce seuil du quoi nous sommes sur le seuil, c'est les questions liées à l'intelligence ambiante, par exemple, où effectivement l'intentionnalité personnelle paraît quelque peu dépassée ou en tout cas en interaction avec une forme d'intentionnalité qui serait un peu automatique. Alors comment concilier la notion de sujet de droit classique ou éventuellement son évolution avec cette nouvelle réalité? Je vous remercie. Allez-y, et puis Monsieur Papa, après. Je réponds rapidement sur la première question, sur les individus destinataires du droit international. C'est une approche doctrinale, puisqu'on prétend encore, et c'est effectivement vrai, que majoritairement, ce sont les États qui sont sujets de droit, bon, etc. Mais on commence à constater sérieusement que l'individu apparaît sur le plan international. Et ça, c'est une vieille idée de l'école sociologique à laquelle je tiens. Bon, mais je m'accroche, j'y crois. Parce qu'on dit, ce qui m'amuse un petit peu, enfin pas m'amuse, mais titille, on dit le capitalisme a besoin de l'État. Je réponds, le droit international, les individus ont besoin du droit international. Hein. Et de plus en plus, et on le constate et on le réaffirme de manière importante. Bon. D'un autre aspect des choses, les personnes morales, oui, bien sûr, ça rentre dans cette catégorie, ils ne sont pas exempts. Sur l'intentionnalité et l'individu, je n'ai pas la réponse. Voilà, on est deux. Monsieur ? Oui, ma question s'adresse au professeur Lavenu. Effectivement, je suis très d'accord avec vous sur l'idée de la nécessité d'une coopération internationale. Mais a-t-on besoin vraiment de traités ou de conventions internationales? Nous savons tous qu'une convention prendra plusieurs années à être ratifiée
pas par l'Assemblée générale des Nations unies. Entre-temps, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt à des niveaux intermédiaires de coopération entre des fonctionnaires, des experts qui se réuniraient? Et là, ce serait vraiment le droit en action puis qui collerait plus à la réalité de ce qu'est l'Internet aujourd'hui. Je ne crois pas trop à la solution technocratique. Technocrate de l'Église de Nounama et nous allons faire le bien des hommes. Je suis un peu méfiant. Je suis même très méfiant. Alors, je ne peux pas en dire plus là-dessus. Je crois que il y a différents moyens que l'on a évoqués, conventionnels ou autres, au niveau régional, universel ou autre. Ce sont les moyens classiques. Je n'ai pas de solution particulière à ce niveau-là. Et je ne crois pas que les technostructures en elles seront nécessairement le bien de l'humanité. Il est bon aussi que les citoyens, que les individus, les sujets de droit puissent... Mais une réunion de diplomates, c'est différent d'une réunion de technocrates? On ne va pas parler des diplomates. Ils ne sont pas là, alors ça va, en fait. Alors, je vous remercie tous deux de votre participation, de votre présentation qui a manifestement stimulé, provoqué une discussion intéressante qui va se poursuivre au cours de la journée et demain. Donc, il est temps de passer à la pause. Pierre ? Simplement pour vous signaler que le repas est à notre disposition dans cette partie, on l'atteint plus facilement par cette sortie de la salle. Et nous reprendrons vraisemblablement à l'heure prévue, vers 13h30 ou peut-être quelques minutes après. Merci. De rien, merci à l'association.